Oui, vous savez, le départ de André Alain Atundu, il a juste fait transcendance de quitter, parce que quand on quitte un parti politique en tant que cadre, on quitte officiellement. Alors, il a juste transcendé, aller à l'Union Sacrée. Alors, à l'Union Sacrée, là où il est parti, je crois bien, il a ses idées, il a son ambition. Et je ne crois pas qu'il le venir. Pour aider le président de la République, je ne crois pas qu'il est venu pour aider aussi les gouvernements congolais à avancer et à faire ce qui est nécessaire pour l'émergence, le développement du Congo selon la vision du chef de l'État. Je crois que c'est quelque chose qui s'est fait délibérément. Il a compris il était temps de rejoindre le bateau de l'Union Sacrée et nous ne faisons que l'encourager. Nous encourageons aussi d'autres personnes qui veulent adhérer à l'Union Sacrée parce que c'est une vision émise par le président de la République. Cette vision qui veut que tout le Congolais puisse se rassembler autour de la nation, autour du bien-être congolais. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à revenir au bon sens. Et si aujourd'hui notre compatriote, Alain-Alain Atundu a compris bien qu'il faut des régions de le bateau de l'Union Sacrée. Nous n'avons pas d'opinion à émettre contre lui. Nous n'avons pas à lui mettre de coq à jambe. Nous l'accueillons et nous voulons que quand il vient, qu'il se prenne de la vision de l'Union Sacrée, qu'il se prenne de la vision du président de la République pour que les choses puissent changer. Qu'il ne vienne pas avec l'idée de venir se blanchir ou peut-être se cacher derrière cette adhésion. Mais nous osons croire que cette adhésion a été faite de bonne volonté et que nous l'accueillons au sein de l'Union sacrée. Et puis le procès mettant en cause les députés nationaux du Nord Kivu, Edouard Manga Chouchou, a repris ce mardi 21 mars devant la haute cour militaire de Kinshasa. L'audience de ces jours sera consacrée à l'instruction du dossier au cours duquel l'auditeur général commis par cette juridiction va présenter les objets ayant un rapport avec les infractions reprochées aux prévenus qui ont été saisis dans ces résidences de Kinshasa et du Nord Kivu. Les comptes rendus avec Nelly Kapinga. La haute cour a fait cette annonce lors de l'audience du mardi dernier, après avoir rejeté tout le moyen de forme soulevé par le député Edouard Mwanga Chouchou dans son mémoire unique pour se défendre. La haute cour a fait cette annonce lors de l'audience du mardi dernier, après avoir rejeté tout le moyen de forme soulevé par le député Edouard Mwanga Chouchou dans son mémoire unique pour se défendre. Elle avait, dans un autre arrêt avant dire le droit, commis un auditeur général aux fins d'examiner ses objets découverts dans sa ferme à Massissi, dans le Nord Kivu, pendant cette période critique où la partie orientale du territoire national de la RD Congo est en proie à la guerre d'agression menée par les envahisseurs du groupe armé M23, avec le soutien du régime du président rwandais Paul Kagame. Depuis son arrestation, Edouard Mwanga Chouchou est détenu à la prison centrale de Makala, dans la capitale République démocratique congolaise, où il a comparu devant la haute cour militaire. Dans son mémoire unique, suis évoqué, le prévenu a soulevé plusieurs moyens de forme, notamment l'incompétence de la haute cour militaire. Cette même partie a également introduit une demande en liberté provisoire, mais sans succès. Signalons que les avocats du député Edouard Mwanga Chouchou ont soulevé une question qui relève de la santé de ce dernier, soutenant que leur client a de problèmes de santé et que l'appareil respiratoire qu'il a l'habitude d'utiliser a été emporté lors de la réquisition opérée dans son domicile à Kinshasa. Autre chose à présent, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a conduit hier lundi 20 mars auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, une importante délégation du groupe Former Prime Minister, qui est une fondation internationale rassemblant des personnes d'expérience au service de la défense de la paix à travers des réflexions collectives pour trouver le chemin de la paix. Les buts de cette visite étaient d'échanger avec le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement en vue d'encourager et d'appuyer différents acteurs de la RDC. Il s'agit également de rester persévérant dans la quête de la paix en proposant plusieurs expériences des personnes qui ont vécu des guerres et connu des crises. Écoutons à ce sujet Pierre Raffarin dans cet extrait choisi par Ruth Calanger.
Je conduis une délégation de Leaders pour la paix, qui est une fondation internationale qui rassemble des personnalités d'expérience qui mettent cette expérience au service de la défense de la paix et qui cherche à développer dans les situations difficiles des réflexions collectives pour trouver les chemins de la paix. C'est pour ça que nous sommes venus ici en République démocratique du Congo, où on voit un peuple qui est face à une guerre particulièrement violente, avec des jeunes déplacés, des femmes mutilées. Nous voyons beaucoup de drames humains et des chiffres de morts impressionnants. Et donc, nous sommes venus échanger avec les différents acteurs de la vie publique ici dans ce pays pour essayer de percevoir les chemins de la paix, c'est-à-dire le retour à un développement qui permette au Congo d'assumer en Afrique son destin. On milite pour la paix, c'est-à-dire qu'on est contre la violence. On accepte l'idée de la force, l'idée d'être capable, soit par la dissuasion, soit quand on est agressé, de devoir se défendre. Nous ne sommes pas des anges venus du ciel. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits, et nous savons qu'il faut savoir se défendre. Mais il faut aussi savoir construire la paix. La paix, c'est pas un hasard. La paix, c'est un travail. C'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. La langue maternelle est un ensemble de signes vocaux propres à une communauté. Elle est utilisée par ses membres afin de communiquer ou échanger. Elle institue de ses faits pour chaque individu une partie importante des richesses et de son identité. Quelle est son importance dans l'éducation des enfants? La réponse dans cet élément que nous propose à Marcel Effa. C'est un outil de communication qui permet à l'enfant d'émettre ses sentiments et d'exprimer ses besoins envers son environnement. En outre, la langue maternelle est la langue dans laquelle celui-ci grandit, celle qui trouve à sa naissance, c'est avec elle que l'enfant communique avec ses proches et qui crée un lien affectif avec l'entourage. C'est donc tout naturellement que les parents, principaux responsables de l'éducation des enfants, utilisent cet instrument de cohésion sociale et de brassage culturel comme véhicule des valeurs indispensables à l'équilibre moral et spirituel et culturel de leur progéniture. Enfants et parents s'expriment à cet effet. Parents, mon papa et ma maman, ils parlent le swahili. Ma grand-mère paternelle, pas souvent. Mais moi et mes frères, on a été éduqués en swahili. Bazazi yangu, baba yangu na mama yangu, banazoya kasema kiswahili. Mushinga utilitupesha. La langue maternelle comporte plusieurs éléments essentiels. Sa maîtrise correcte permet à l'enfant de connaître ses origines, sa culture, son ethnie, ses ancêtres. Il est vraiment important d'enseigner la langue maternelle aux enfants dès les bas âges. Certaines études démontrent que la maîtrise de la langue maternelle favorise la concentration, l'attention et d'importantes capacités de mémorisation chez les enfants. Mieux, les enfants ayant assimilé celle-ci seraient moins en situation d'échec scolaire. D'ailleurs, à cet effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, encourage depuis 1953 l'enseignement de la langue maternelle à l'école de base. Monsieur Ndoumbi Benjamin, enseignant au primaire, nous l'explique. Même en pédagogie, on nous dit, avant d'enseigner le français à Dion, il faut premièrement connaître le français et connaître Dion. Mais comment tu peux parler la langue étrangère sans connaître ta propre langue? C'est une défaite. J'ai étudié au Kassai. Je comprends mieux ma langue et je peux même rédiger tout un livre dans ma propre langue. Et c'est la fierté pour moi. La langue maternelle est donc un élément de richesse, un marqueur identitaire, un facteur de cohésion sociale et d'unité, mais également de fraîcheur intellectuelle pour nos enfants, plus que jamais otage de nouvelles technologies. Il est donc nécessaire qu'ils sachent, comme on dit en lingala, Munoko na biso yamboka, yangondi isalaka, makasi na biso, esika nyonso tozalaka. Traduisant en français, la langue maternelle est le ciment de notre cohésion sociale.
Prenons cette brève avant de nous quitter en prélude de la rencontre entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie est prévue vendredi 24 mars prochain à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Quelques léopards professionnels sont arrivés hier lundi 20 mars à Kinshasa avant de repartir en province pour les préparatifs de ces matchs. Parmi les joueurs déjà sur place, il y a entre autres William Balikwisha, Yohan Wissa, Aldo Kalulu, Samuel Mutusami, Jackson Muleka, Del Kakuta et Fiston Mayele, pour ne citer que cela. D'autres joueurs pourront arriver dans les heures qui suivent. Pour rappel, la rencontre RDC-Mauritanie se jouera pour les comptes de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est par là que nous mettons un point final à cette édition d'Apic Télévision. Merci de l'avoir suivi.